design et de Spring Framework. Oui, Spring est un framework et du coup, Team Design, ça va forcément avec. Ou peut-être que c'est pas. Du coup, on va commencer par dire qu'est-ce qu'on entend par Team Design. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'architectures qui répondent à cette définition. Donc, vous avez peut-être entendu parler d'hexagonal architecture, d'architecture en oignon, de la clean architecture de Uncle Bob. En fait, toutes ces architectures-là, elles ont beaucoup de points communs. Et la principale point commun qu'ils ont, c'est que ça sépare le domaine du monde extérieur. Donc le monde extérieur, ça peut être les frameworks, les bases de données, les fils de messages, et les choses comme ça. Qui parmi vous utilise Spring? D'accord, donc en fait ce soir on va parler uniquement, on va pas parler de tous les projets de Spring, il y en a quand même une belle panoplie, mais on va parler uniquement de Spring Core, donc le projet central de Spring, qui permet de gérer le cycle de vie des objets de notre application, et qui permet aussi d'ajouter du comportement à ces objets, par exemple pour gérer les transactions ou le cache. Donc on va commencer. La majorité aujourd'hui des nouvelles applications Spring, elles utilisent ce type de configuration par annotation. Donc là, on a une classe de configuration avec un arrobas configuration au-dessus de la classe. Et on a deux autres annotations, le component scan, qui va nous permettre de nous dire à Spring de scanner le package de la FR PancrateKeys en l'occurrence, pour chercher tous les bins, tous les objets qu'il va devoir gérer. On a aussi un enable transaction management pour activer les annotations arrobas transactionnelles pour activer la gestion des transactions. Et du coup, on a besoin d'un BIM, d'un transaction manager, qui va permettre à Spring de gérer toutes les transactions. Du coup, avec le arrobas BIM ici, on va enregistrer ce transaction manager dans le contexte d'application de Spring. Du coup, avec ce type de configuration, on se retrouve avec des services qui ressemblent à ça, donc un arrobas service dessus, qui va être scanné par Spring, qui va être détecté, et un arrobas transactionnel sur la méthode transactionnelle. Et ici, on a dit que le timeout était de 45 secondes. Donc depuis Spring 4.3, il n'y a plus besoin de mettre auto-wire d'ici. Même si dans les applications un peu plus anciennes ou même nouvelles, on a souvent marqué auto-wire. Du coup, on peut considérer que là, cette classe qui fait partie du domaine, du coup, on peut considérer qu'elle a un couplage avec Spring. Donc ce couplage, on peut considérer qu'il est suffisamment faible si on considère que la notation, ce n'est pas vraiment un couplage. Mais il n'empêche que si on regarde les imports, on voit qu'il y a bien deux imports de classe de notation Spring, et du coup, ça fait quand même un couplage. Donc si jamais vous voulez mettre ce domaine-là dans un autre module Maven, par exemple, ça voudrait dire qu'il faut qu'il ait une dépendance vers Spring, ce qui peut être totalement hors de question, selon vos besoins. Enfin, par exemple, juste pour ajouter un peu, par exemple, si vous voulez avoir un module Maven dédié à votre domaine, parce que, par exemple, vous voulez partager avec d'autres applications qui n'utilisent pas Spring, vous ne voulez peut-être pas forcément avoir ce couplage. Du coup, on a vu une manière de faire de la configuration Spring, c'est la configuration par annotation. Donc, il y en a d'autres, des manières de configurer Spring. Est-ce que vous savez combien il y en a? Qui pense qu'il y en a deux? Qui pense qu'il y en a trois? Qui pense qu'il y en a quatre? Huit? Dix? La réponse est simple. Du coup, il y en a trois. Je peux... Par contre, tu fais comment le petit... c'est comme ça? Ouais. Ah, attends. et c'est genre... Ok, ça marche. Donc du coup, il y a trois façons de gérer la configuration Spring. Donc on a vu avec Renaud la configuration basée sur des annotations, mais on a aussi ce qu'on appelle couramment la Java config, et on a la configuration basée sur du XML. Du coup, en fait, l'objectif, c'est de voir comment on peut se servir de ces autres types de configurations qui sont en général un peu moins utilisées que l'annotation configuration pour réussir à complètement découpler notre domaine du framework Spring. Donc, en gros, notre objectif, c'est ça, d'avoir un service qui est censé gérer que les choses qui sont relatives au domaine, qui est complètement découplé de Spring, donc du coup on a enlevé les annotations en Spring. Donc notre objectif étant celui-là, on va voir ensemble comment faire la configuration Spring qui va permettre d'avoir ce qu'on avait au début. Donc en gros, au niveau de la classe de configuration, on a enlevé la notation arrobas component scan parce qu'on ne va pas scanner tous nos composants
contexte d'application à gérer. Et on a également enlevé la Enable Transaction Management parce qu'on a plus les annotations arrobas transactionnelles qui permettaient de gérer les transactions. Donc on se retrouve avec uniquement Configuration comme annotation au niveau de l'application config. Ça fait marrer parce qu'à la base, je ne suis pas française et j'ai un bon accent français en anglais. Ça me perturbe un peu. Donc du coup, on voit également que... Alors, du coup, comment tu fais pour ajouter... Plus droite. Ok. Donc du coup, en fait, comment on va faire pour instancier notre service? On est obligé de le gérer à la main. Donc on va l'instancier à la main. On peut très bien le faire comme on le faisait avec un objet qui était externe à notre application, en ajoutant une méthode transfert service avec la notation @bin. On peut remarquer également qu'on injecte le repository. Donc ce repository va être injecté indépendamment de la manière dont il est instancié. C'est-à-dire que ce soit de la Java config ou du XML config ou même annotation based configuration, peu importe, tant qu'il est dans le contexte d'application, Spring va savoir l'injecter dans notre méthode. En plus de ça, donc la seule chose qui nous manque, c'est la gestion des transactions. Du coup, pour gérer les transactions, malheureusement, on ne peut pas utiliser de la Java config parce que ça passe par l'AOP. Et l'AOP n'est pas configurable avec la Java config. On est obligé de passer par du XML. Donc du coup, on va créer un fichier de configuration XML qu'on appelle txn-config, dans lequel on va retrouver ça. Donc au niveau de cette configuration, on voit deux blocs bien distincts, donc le premier et le deuxième. Je vais commencer par le deuxième parce qu'il est plus simple à lire. Donc le deuxième montre l'advice qui correspond à un comportement transactionnel qu'on veut ajouter à nos méthodes. Donc on peut voir aussi qu'on peut spécifier des choses du type le timeout spécifique qu'on associe à notre méthode de transfert initialement. Dans le premier bloc, on va voir quelles sont les méthodes auxquelles on veut ajouter cet advice, ce comportement, c'est-à-dire le point cut, dans lequel on a une expression qui dit ici qu'on va l'ajouter à l'ensemble des méthodes du transfert service. Et on a également l'advisor qui va simplement faire le mapping entre notre point cut et l'advice. Donc voilà ce qu'il faudrait faire pour réussir à avoir notre service complètement découplé de Spring. Donc ce qu'on peut dire, c'est que faire ça, c'est des avantages et des inconvénients. Clairement, l'avantage le plus apparent, c'est qu'on réussit à avoir un domaine qui ne dépend de rien d'autre, qui ne dépend de rien d'externe. Il y a aussi un petit effet de bord que moi j'aime bien, personnellement. C'est que en quelque sorte, ça encourage à utiliser l'injection de dépendance via des constructeurs. Alors, si je réussis bien à revenir en arrière, donc on peut voir qu'en fait, ça encourage pourquoi faire cette injection au niveau du constructeur. Parce que si jamais on s'amusait à faire des injections sur des setters ou des fields, ça complexifierait ici l'instanciation du service. Et du coup, ça le rendrait un peu plus verbeux. Pour le setter, c'est trois lignes de plus. Pour le field, il faudrait utiliser la transpression ici. Donc du coup, ça nous complique entre guillemets un petit peu plus la tâche. Et comme on est souvent fainéant en informatique, ça encourage à utiliser le constructeur. Et en fait, il faut savoir que l'injection sur constructeur, c'est ce qui est préconisé dans le monde de la programmation, parce que c'est beaucoup plus propre. Déjà parce que ça nous permet de mettre en évidence toutes les dépendances de nos objets. Clairement, quand on va instancier notre bin, on va se rendre compte, si on a plein de dépendances, on va se rendre compte combien de dépendances il y a. Et aussi parce que ça évite d'instancier des bins qui sont dans des états incohérents. Si on fait l'injection de dépendance par constructeur, on sait que quand on instancie notre bin, il sera dans un état cohérent qu'on pourrait directement utiliser. Donc au niveau des inconvénients, par contre, comme on l'a vu, c'est un peu plus verbeux. Dans le 2-3, on rigolait comme du XML, c'est un là. C'est un peu plus verbeux parce qu'on ne peut pas faire de l'AOP de la config. Donc on est obligé de faire du XML.
le XML, on connaît bien les inconvénients, c'est plus verbeux, c'est pas très lisible, et c'est pas statiquement typé, donc ça va planter au runtime et pas à la compilation. Et l'autre inconvénient, c'est qu'on doit instancier explicitement tous nos bin dans notre configuration, et c'est pas tout automatique. Et pour conclure, on voudrait dire que on espère qu'on vous a montré un peu qu'on peut utiliser des frameworks et faire des architectures propres, c'est pas incompatible, ça nécessite juste un peu plus de travail. Et oui, il faut juste aussi garder en tête une autre partie du message qu'on veut faire passer, c'est qu'il n'y a pas une solution qui est meilleure que l'autre. Nous, on voulait juste vous montrer les possibilités qu'il y a avec Spring, par exemple. Mais il faut toujours réfléchir à ce qu'on a besoin. Si on a vraiment besoin d'avoir un domaine complètement découplé de notre framework, peut-être que ça vaudrait le coup de faire ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est une solution qu'il faut utiliser à tous les coups. Parfois, c'est pas forcément adapté et pas forcément rentable. Donc, on a fini. Je pense que dans les temps, en plus. Donc, si jamais vous êtes intéressé par le support de la présentation, vous pouvez aller sur le site de Crafties, crafties.fr ou sur Twitter. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup. Il reste 48 secondes pour une question. Oui. Il n'y aurait pas moyen de trouver un compromis avec des annotations maison plutôt que de passer par XML ? Alors ça peut être un compromis, effectivement. L'annotation maison, en fait, l'annotation, il faut aussi qu'elle soit d'une manière ou d'une autre chopée par Spring. Donc, soit elle va hériter entre guillemets de robots components, soit on va la choper par un point de fait, finalement. Je ne sais pas s'il y a vraiment un gain à faire ça, parce que du coup, tu te retrouves avec. C'est plus verbeux. Donc la configuration qu'on avait proposée en deuxième temps, c'est plus verbeux aussi, donc du coup, je ne sais pas, il faudrait voir si c'est plus adapté. Okay. Oui, si vous avez d'autres questions, on pourra discuter après l'apéro. La configuration de la OP,